cri de joie des habitants de Djetouankro, situé dans la commune de Boaké. Ce village vient d'être connecté au réseau électrique national. Cette mise sous tension est une réalisation de la Banque mondiale à plus de 60 millions de francs CFA. Cela est rendu possible grâce aux actions menées par la mutuelle de Djetouankro. Au cours de cette fête de la lumière, les différents intervenants ont salué les efforts consentis par la mutuelle pour le développement de Djetouankro au profit des villages environnants. Ils ont par la suite demandé aux filles et fils de cette localité de s'unir pour le développement intégral de leur village, mais également pour aider le président de la République Alassane Ouattara dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Kwaku Romain, président de la mutuelle de Djetouankro, estime que la connexion au réseau électrique national est le démarrage du développement de son village. Mais pour lui, beaucoup reste encore à faire en ce qui concerne les infrastructures scolaires et sanitaires. Un défi que compte relever ce fils de Djetouankro. Il y a encore d'autres projets qui sont dans le pipe, comme l'addition d'eau potable, comme la réhabilitation de l'école. Donc tout ceci, nous sommes organisés. Nous allons vers l'État pour lui présenter un peu cette alliance-là, afin qu'il nous aide, avec l'appui aussi des populations, pour qu'on puisse réaliser ces projets-là. Un match de football a mis fin à cette fête de la lumière à Djetouankro.